Vous êtes en train de suivre Toupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. En disant que la détermination qui s'est lie sur le visage, et cela peut-être a amené aujourd'hui que les deux équipes puissent s'habiller pratiquement, faire recourir plutôt aux secondes couleurs qu'ils possèdent. Donc, et chez Betterie, comme vous savez, c'est les verts, blancs et rouges. Aujourd'hui, on a privilégié les rouges et blancs. Et chez Betclub, c'est vert, jaune et noir. Aujourd'hui, c'est les bleus et les noirs qui est mis en exergue. Donc, c'est autant dire que c'est vraiment un match plein, un match tant attendu. Et même les deux, comme vous le voyez, et les deux formations en présence sont plus que déterminées quant à l'issue de la rencontre d'aujourd'hui. Et nous espérons que le spectacle qui sera produit sera très bon à l'histoire de Florent Ibengué, Côte d'Ivoire. Et les deux capitaines, là c'est Florent Ibengué, l'entraîneur, calme, serein. C'est vrai qu'il attend, il attend. Et là, ce sont les joueurs de Vecleur. Les deux capitaines, c'est Moussa Dissou pour Vecleur et Salakiatou Matondo. Du côté du club Monte Matéria, je rappelle, là c'est le banc de Vecleur. Je rappelle que Monte Mapembe est en rouge blanc, tandis que l'équipe de Vecleur est en noir jaune. C'est noir jaune. Et là le groupe de Zinga qui s'emmène avant le match, c'est noir jaune. Voilà. Noir jaune, voilà. Voilà, des moments à l'autre, ce sera le coup d'envoi. Et dernier moment dans ce stade, qu'il faut le rappeler, Papi Massakiza a quand même refusé du monde. Il a refusé du monde il y a longtemps, alors longtemps qu'un DCFB Vecleur réussit aussi un grand monde en ce dimanche 14 décembre 2014. Si forcément j'étais un coup d'œil en dehors du stade, celui qui est dehors est plus que celui qui est au-dedans. Donc c'est autant dit que c'est un événement tant attendu. Et les retardataires ne pouvons s'en prendre eux-mêmes sinon de recourir à la télévision nationale qui a offert ce spectacle, en tout cas à ce nombreux public, qui ne peut pas tous prendre d'assaut ce stade mythique de Tarrafalhé. L'arbitre central, c'est Tchamala Junior. Pourquoi Tchamala Junior? Il est lui-même fils d'un ancien arbitre international qui est passé aujourd'hui instructeur. C'est l'arbitre Tchamala, bien connu à la Ligue de football du Kassai oriental et même dans toutes les provinces du pays parce qu'il a eu à rouler sa bosse un peu partout. Il fut aussi arbitre international. Et c'est son fils qui a dirigé la finale. Catalaï, un peu plus en verve qu'en première mi-temps. Ah, c'est une faute. Une faute sur Louvumbu. Là, la partie est momentanément arrêtée. Vecleur qui bénéficie de ses coups francs, qui multiplie les stratégies et les assauts dans le camp des verts, rouges et blancs. Alors que nous entamons là la 53e minute de la partie. On cherche un mécanisme à même de pouvoir débloquer le compteur but qui traîne encore à venir. Disons que sur les 5 dernières confrontations, Vecleur en a remporté 3 et Louvumbu qui réussit à marquer. Le premier but et voilà. Les superbes manières à la 53e minute. 53e minute Louvumbu sur balle arrêtée. Voilà. Voilà comme il sait bien le faire. Comme il sait bien le faire. Malheureusement l'envahissement du terrain. La zone entre envahie par les fanatiques de Vecleur. Mais très bien joué sur cette balle qu'on va essayer de vous reproposer alors que c'est l'effervescence. L'effervescence au niveau du stade de Tata Raphaël, le camp de Vecleur qui se congratule de Papi Massakiza. On le sentait venir et Vecleur qui prenait pratiquement l'ascendance sur Moté Mapembe depuis la toute première minute de la seconde période. Voilà que c'est concrétisé et c'est but. Comme il en a l'habitude de marquer, Louvumbu Zinga héritier qui vient donc d'embraser pratiquement le stade de Tarrafalhé pour ce premier but. 1 pour Vecleur et 0 pour Moté Mapembe. 53e minute, la partie est loin de se terminer. Il est là, le stade qui s'embrase. C'est l'euphorie dans les camps de Vecleur. On voulait suivre cette fiche. Vous êtes en train de suivre Toupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Vous êtes en train de suivre Toupa Congo Sport,
la quintessence du sport congolais. Vous êtes en train de suivre Tupac Ongo Sport, la quintessence du sport congolais. Vous êtes en train de suivre Tupac Ongo Sport, la quintessence du sport congolais. Vous êtes en train de suivre Tupac Ongo Sport, la quintessence du sport congolais. Vous êtes en train de suivre Tupac Ongo Sport, la quintessence du sport congolais. Vous êtes en train de suivre Tupac Ongo Sport, la quintessence du sport congolais. Et c'est la fin! C'est la fin de la partie! C'est la fin de la partie! Et là, ça crée même l'insécurité parce qu'il va partir, vous voyez! Qu'est-ce qu'elle en disait? Avec toi, bien de remporter, mais il fallait pas.